Bandeko banetike azarolela banetike azarobelela ba congolais nyonso to telema banetike azarosenga ba congolais nyonso partout bazali to telema to bundela mboka bandeko. On ne joue pas avec les pays, on ne voit pas les pays, on blague pas avec ça. Les pays c'est comme l'identité d'une personne. Si on perd notre pays, ça prouve qu'on n'aura plus l'identité. On ne va plus nous appeler les Congolais. On va devenir un homme sans identité. C'est pour cela que je demande à tout le monde, partout où vous êtes, on doit se lever tous comme un seul homme pour défendre notre pays, que Félix Tshilombo, fils de papa Étienne Tshisekedi, qu'il a décidé pour devenir riche, nouveau riche avec sa famille biologique, de sacrifier le Congo, de vendre le Congo, de donner, de signer l'accord que le Congo soit balkanisé. Et c'est pour cela que je demande à tous les Congolais, partout où vous êtes, levons-nous pour faire barrière à ce projet qui risque de nous coûter cher. C'est ça que je voulais dire, Bandeko. Ezamawa makasi komona biloko abo esalama. Ezamawa penza ko botala nenge mboka ikomi. Mboka ikomi bosoto. Bato bazo vivre sous bien te. Les gens n'ont pas de boulot. Les gens n'étudient pas. Les gens n'ont même pas les moyens de se faire nourrir. Rien ne marche dans ces pays-là. Mais il y a que des politiciens comme Félix avec son entourage et quelques membres de IDPS qui sont en train de profiter des miettes qu'on leur donne par les Rwandais et les Ougandais. C'est pour cela que si nous continuons à suivre les politiciens, ça c'est rassurer que, soyez sûrs, nous allons perdre notre pays. C'est à nous, le peuple, de se lever, de se battre pour protéger notre pays. C'est l'unique héritage que nos ancêtres nous ont laissé. On n'a pas autre chose. Ils nous ont laissé que le pays là. Qu'aujourd'hui, Félix a décidé de sacrifier ça comme il est en train de faire. Le maréchal Mobutu, il a passé toute sa vie, sa jeunesse, pour défendre ce pays là. Pendant que Mobutu était au pouvoir, personne n'a vu, personne venait chercher à balkaniser le Congo. Mais depuis qu'on a fait chasser Mobutu, on voit maintenant des Rwandais, des Ougandais. Les gens arrivent dans tous les horizons du monde pour venir prendre la richesse et tuer les Congolais et chercher à faire partir les Congolais par la force. Et ça, normal, je vous appelle vraiment, si on a sur la vidéo, pour qu'on mobilise les Congolais, toutes tendances confondues. Moi ici, je ne parle pas des tribus. Je ne parle pas des partis politiques, mais je parle avec mes patriotes congolais, congolaises. Mettons-nous tous ensemble pour faire face à Tshilombo, communauté internationale, Union européenne, qui ont décidé de balkaniser notre pays. Bandekobo qui nazo loba, discours n'a pas clair. Et n'oublie pas, Papa Norengwana, dans son vivant, il nous a dit que, mes frères et sœurs, notre pays est sous occupation. On ne peut pas trouver la solution pendant qu'il y a l'occupant dans notre pays. Pour trouver la solution, première chose à faire, nous devons d'abord chasser les occupants. Les pays qui sont en train de chercher à prendre notre pays par la force. Ils ne nous ont pas dit d'aller faire des élections, d'aller signer des accords, d'aller faire des conférences. Il nous a dit, défendons-nous. C'est notre droit. C'est notre pays. Nous devons se défendre. Nous ne devons pas aller comme des moutons. Non. Après, nous avons la loi Bilokwana. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a tué. On l'a tué parce qu'il disait la vérité à la communauté internationale. C'est à cause de ça. Non. Si on laisse ces messieurs-là au nom de Ngwanda, on ne pourra pas prendre ces pays-là. Première chose à faire, on doit d'abord l'éliminer. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont éliminé Papa Norengwanda.
Babo mel biso papa honoré ngwana. Mais heureusement papa honoré ngwana, il était sage, il était malin. Il avait préparé déjà son successeur que j'appelle Delphin Zaki, président fondateur à Biparekoza. A telemi pour nous dire peuple congolais ba ndeko nanga papa honoré ngwana kufi mais idéologie n'est allé vivant. Nana joue gouverneur. Azo benga biso ba congolais bo ya to sangana pour aller défendre notre pays. A bengi biso ba congolais boya to sangana boya to sangana Félix ateki mboka na biso na complicité ba congolais mususu sans arrêt de citer les noms, vous connaissez tous ces gens là bato ba linga mboka na biso sa la balkaniser pour ba koma ba riche bozo mona il y en a beaucoup net le je vais parler le cas de Martin Fayulu pendant que bazo linga ba balkaniser mboka lui ake osa la tourner na ekuna na Équateur. Il est en train de mobiliser les gens, les peuples congolais au Bazos, il a solution. Il dit, non, boya, Martin Fayulu m'a dit, oui, Martin Fayulu m'a dit, on connaît ton nom, tu t'appelles Martin Fayulu m'a dit. Mais Martin Fayulu, on va te poser la question, en 2018, qu'est-ce que tu as fait? Les Congolais ont été mis pour aller te voter en 2018, dans ces Amboula. Et à la fin, on a vu ce que ça a donné. On a proclamé Félix. Et t'as commencé les démarches vérité désir. Non, ça lui va navette, va navette, va navette, va navette. À la fin, ça n'a rien donné. Et maintenant, tu recommences encore même démarche. Tu veux encore amener les peuples congolais d'aller te voter en 2023. Aussi longtemps, tu sais très bien que les pays sous contrôle d'occupation, rwandaise, ougandaise, dans la complicité à l'Union européenne, au lieu de dire aux peuples congolais, non, on ne va pas aller aux élections maintenant, ce que nous devons faire maintenant, nous devons s'élever d'abord pour faire barrière à tous ces gens qui sont en train de nous menacer ici. Maintenant, ils ont jusqu'à la même procédure. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait triste. Ba Congolais, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Chaîne, plateforme, salami uniquement pour parler comment faire pour défendre les Congolais. Moi qui vous parle ici dans la langue journaliste, je suis un simple patriote congolais, on a la conscience que nous sommes menacés. Si on ne fait rien, nous risquons de perdre. Donc nous sommes déjà en train de perdre le pays déjà. Ça fait plus de 25 ans que les Congolais ne contrôlent plus le Congo. Les Congolais ne bénéficient rien. Malgré la richesse qui se trouve au Congo, nous on bénéficie absolument rien. Bon, moi, ça fait 25 ans. Et maintenant, il veut nous montrer ça par la force. Il ne va pas balkaniser mon cannabis. Et j'appelle à tout le monde, on a bien des Congolais partout dans le monde, Bozali. Moutoumoro ta banga. Moutoumoro ta paniqué, moutoumoro ta lela. Totelema, levons-nous, les Congolais. Levons-nous, totelema, comme un seul homme, pour mettre fin. La barbarie, oh, Félix, ça va ça, là, on a parti avec des pèses. Pour aller chasser Félix. Zaki nous appelle, Delphin Zaki Aïb Soubandeko. Mingi Mazolo Baki Zaki, Zaki a traité, Zaki a escroqué. Zaki n'est pas un voleur. Zaki, c'est quelqu'un qui a étudié. Il a fait de hautes études. Zaki, qui est quelqu'un, il est prêt à donner sa vie pour sauver ce pays-là. Bon, qui va dire que vous avez un peu de retraité, vous avez qualifié. La qualification, vous avez un peu de temps. Lui, il ne vient pas pour chercher l'argent. Ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse, mais la situation du pays. Ça ne le laisse pas l'esprit tranquille de dormir. Ok, vu ce qui se passe, on ne va pas trouver normal. Delphine Zaki, ça lui dérange. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il va congolais tout élément. Lèvons-nous tous ensemble, comme un seul homme, pour faire barrière à Félix, pour faire barrière à l'Union européenne, la communauté internationale. Ils allaient comploter dans Bango, ils se sont complotés pour balkaniser notre pays, parce qu'il y a la richesse. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse, la richesse de notre pays. Ils sont en train de tuer les Congolais. Ils ont donné les moyens matériels aux Rwandais, aux Ougandais pour tuer les Congolais. Tu es bien maintenant? Tu es bien la vérité est là maintenant. Tu es bien tout ce qui s'est passé. Ils ont des grâces là-bas. Il y a un Zaki à l'hôtel. Comment Zaki est réel, ils sont corrects, ils sont justes, ils sont nobles. Aso ça la combat au terre au Lucas qui ni na ngonzo qui ni na mais non ben de konangai na c'est ça nous le koyo na sali amo pour na semno ki on doit se battre, on doit se défendre. Ba tout ba yebinga Ernest,
Si tu connais Ernest et Fiat Lumumba, beaucoup de ton idéologie n'a pas. Tobundi Lamboka, mes frères et sœurs, mes camarades n'a pas. Bah tout tour bah ebinga na monde na pays partout ceux qui tu me connais bah neko ko besi ma bo côté yo payé biso bah neko mususu na tar na oké combat yanga sa sala to landa yango to soutenir démarche ya papa norengwa na na sima delphin zaki parce que papa norengwa na il n'est plus vivant Nazo ce n'est pas de retour ba yebinga soko yebinga si tu me connais ezala membre à famille ezala ami ezala connaissance toujours bunda pona mboka parce que notre pays est menacé. Pourquoi il est menacé? Parce qu'il y a des Congolais qui ont décidé aujourd'hui comme on voit la famille biologique de Félix Tshilombo, ils sont contents parce que leur frère il est devenu président pour sacrifier le Congo à l'échange et ils sont en train de profiter de gagner l'argent à travers les carrières de minéraux. Parce que la situation est comme ma très critique. Et comme ma très grave. Dans la vidéo esprit, dans la bande dans la voiture, mais esprit, Ernest, tu dois parler. Tu dois mobiliser. Tu dois faire comprendre les Congolais. Ah, je pleure encore Maréchal Mobutu. Maman, c'est cette place aux alliés que ton âme repose en paix. Au bout de la vie, moi, la mobile est solo. Le maréchal Mobutu. Biso ba autre aussi chance à remonter mon kili parce que le maréchal Mobutu était président du Zaïre à l'époque. Et c'est grâce à ça, ma parent a donné chance tant à robot à biso. C'est pour cela que je vous dis carrément. Et si tu n'étais pas là, maréchal Mobutu, c'est pourquoi je remercie encore la geste de maman, c'est sa salaka. Hein? D'avoir un enfant comme Maréchal Mobutu qui a défendu le pays pendant tout ce temps. Depuis que le maréchal il est parti, vous voyez même, nous sommes en train de pleurer. On nous tue, on nous massacre, on nous fait tout ce qu'on est en train de faire au peuple congolais. Personne ne défend le peuple congolais. C'est l'une des raisons qui me pousse à vous dire ça, Bané Konama. Je suis clair, Bané. Maréchal Tangazala qui m'a amoué à la guité. On l'a collé toutes les fausses identités. On a dit maréchal, assassin, maréchal, dictateur, maréchal, criminel, maréchal, si pas voleur. Mais on voit au contraire aujourd'hui, depuis que le maréchal Mobutu n'est plus là, on a banane bazaba assassin, banane bazaba criminel, banane bazaba escroc. Commencez par Félix déjà. Kabila Oud Kolobakou Touté, lui c'était vraiment esprit, on l'avait envoyé pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais vous les autres, hein? Vous comprenez l'émission Nangabane. Je ne suis pas là pour faire montrer ma tête, mais pour vous dire que levons-nous tous ensemble, Bane. Tout élément, pour défendre le pays Wana. Ce qui doit défendre le pays Wana, c'est la mort qui nous attend. On va plus nous appeler les Congolais. On n'aura plus d'identité des Congolais. Mais on va devenir peuple nomade dans le monde entier. Et on a lancé appel à bateau mes frères qui se trouvent en étranger ici. La plupart d'entre vous, vous avez des problèmes administratifs. Vous voyez bien ou très bien. Donc, tout est sérieux. Parce que si on perd là-bas, vu la situation administrative dans le monde aux alliés, vous avez la réponse. Je ne vais pas aller dans les détails. Lèvons-nous tous ensemble pour mettre barrière. Pour défendre ce pays-là. C'est l'unique héritage que nous avons. C'est l'unique héritage que nous avons. On n'a pas autre chose. Soyez, fais-moi confiance, ce que je vous dis. Bossa langa confiance. Je vous dis la vérité, Baneko. Nanga bossa langa confiance. Soyez bossa langa confiance, t'es. Bon, mon âme. Journée, il y a le février. Journée, c'est pas les 15, les 17, les 18. Tous à la mobiliser partout dans le monde, les Congolais. Tous à la mobiliser pour défendre notre pays. Tous à la mobiliser, n'ayez pas pour nous rendre dans le bac. Tous à la mobiliser, n'ayez Delphin Zaki à l'obac. Tous à la mobiliser, n'ayez Maréchal Mobutu quand il était vivant, n'ayez pas pour défendre Congo, n'ayez énergie, n'ayez nios. Les maréchaux donnaient tout pour défendre les Zaïre. À notre côté, les Kamamouké, les Katé. Dès qu'on parlait les Zaïre, que les Zaïre étaient menacés, il était debout. Allez, il envoyait les commandos Zaïrois à l'époque pour aller défendre le Congo. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, Bané Konan. Ce n'est pas le cas.
Maman, si c'est place aux alliés, j'ai des larmes aux yeux quand je passe à ton fils, le maréchal Mobutu. C'est quelqu'un qui on connaît maintenant la grandeur dans les lots. Tu es bien maintenant, Valère Mobutu, tout le monde dans les lots. Tous les Congolais plaisent le maréchal Mobutu. Même si on a ça, mais au fond, ah, le maréchal, quand il était vivant, il a été un peu. Moi que ça n'est pas haute, bah non même chose bah boité. Moi comme il y a un niveau à salité haute. Là ça devient trop grave, comme très grave. Et on voit des Congolais soi-disant en Napoule. Bino nous sommes mingi bohumona. Bohumona est au sol la bino un jour. Na souki on a beau partager, zali papa banetiki na kata banetiki. Ernest fio tu lumbe banetiki. Soko yebi Ernest fio tu lumbe. Lana démarche au sol. Nabi que mingi bazar au banga, beaucoup sont peur, ah là au Canada été et politique. Mais ben négocie que au bangi et qui va défendre le pays. Mingi bazar au banga là au Miselongité, na au sala boité, mais ben négocie moi na mukie ou n'ukolo. Au banga non le pays ça va Rwandais, va Ougandais, miner les forces, va continuer au agresser Bissau. Parce que toi tu hésites, parce que toi tu veux pas parler, parce que toi peur, tu es dans l'lobby, bah quoi enlever. Ben négo, na ba bo mopo na mboka. Non, tu es l'esclave, tu préfères quoi? Tu es l'esclave ou bien l'homme libre? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité que je vous dis. Soyez sûr, c'est ça la vérité. Je vous dis la vérité. Vaut mieux mourir comme un homme libre que de mourir comme un esclave. Ok? Pour pas qu'on ait mis en train de vous êtes devenus des esclaves. Et ça, vous faites la poutre. Tant que vous êtes en train de faire. Mets-toi à la tête que tu es devenu esclave à Rwandais, dans Moussika déjà. Au fond de la France, on est déjà esclave. Au fond des États-Unis, on est. Ok. Vaut mieux on y va, parce qu'on est là. Moi, je suis dit que le Congo, pour l'instant, on est là. Pour l'instant, que si je mets le corps là-bas, on n'y va pas si je ne me laisserai pas faire. Nous allons préparer tant à massacre. Là, je vous dis à tous les Congolais. Et on a vu pendant que nous avons fait des matières. Nous préférons nous allons vivant pour l'instant. Tout contribuer. N'importe qui passe au bunda. Tout soutenir les Congolais nous sommes au bunda pour que tout fasse des bases sauter. Félix Tshisekedi, il faille bango, il sera chassé puis arrêté et puni sévèrement. Y compris tous les Congolais au bas au contribuer. Au bas au faciliter ma ramo et au faire souffrir les Congolais. Au bazar, on facilite ma ramoye sala que nous sommes en train de vivre la calvaire aujourd'hui. Baye ba yango. Toti ke la bango tante. Pasteur ko falo ba ki abeki 1 cm ma bena sur kinete. Et puis na rassurer bino ba congolais. Même s'ils vont dire, ils vont balkaniser le Congo. Ba oza parti à Congo te ba tina li peka ba traverser na rond. Ils viennent s'installer là et c'est là qu'ils vont voir nos esprits de nos ancêtres qui vont se lever. Qui vont se réveiller, se ressusciter pour mettre et ça la bango et ça la bango. Ya on a bané ko bango le romoroté. Je suis déterminé, bino pose la déterminé maneko. O eko ya e ya, les maréchaux nous ont enseigné ça. A tchaka maile na epona kongwana, yo petia maile no pona mboka wana. Mais na o sala bande ko bo sala aventir pona mboka botika yango. Arrêtez de faire des bêtises concernant le problème du Congo. Parce que ça la passe na motema. On vous demande tous partout où vous êtes. Au bossa la aventure pour le Congo. Ce qu'on dit comme politicien pour gagner l'argent dans ma politique au détriment du peuple congolais du pays. Sache le bien bande autour un jour. Et vous serez puni sévèrement à niveau moi au Sanaté. Parce que Félix Koututi n'a réussi à dire que Moutal vous êtes au quoi Anaïsa Félix. J'ai dit à maman Marthe, maman Marthe, bientôt tu vas mourir. Vite ton âge, bientôt tu vas aller mourir. Mais sache-le, derrière toi, tes petits-filles qui vont rester, ils vont payer à votre place. Que ce soit toi, que ce soit ton fils. Mais déjà, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont ça va être chaud pour sa famille. Et lui. Et ça, le message, il y papa banétique qui a fait des choses, qui a fait des choses, tu as un espace à mouquer, dans le monde. Tu as poursuivi partout. Pour lui dire que voilà ce que vous avez fait au pays. Les autres sont menacés parce que son fils, il est en train de soutenir des marches. Oh, il a été mort à la biseau. Félix Tshilombo, il a été soutenu. Et grâce à lui, nous risquons de perdre notre pays. Grâce à lui, grâce à Félix,
parce qu'il va confier mission Oyo, Oyo Kabila, il politique quand on a nos la montagne. Bon, moi comme je suis congolais, je suis le plus fort, je ferai quelque chose pour bangater. Mais l'essentiel, beaucoup c'est la mort. Alors on lui donne l'argent, il est payé. Hein. Félix Tshilombo, sache-le bien, il y a une famille na yo, vous êtes mal barré. Il y a une famille no biologique, vous êtes mal barré, na yebisho Félix. Tu relâches binoté. Na bino ba congolais. Tu relâches binoté. Na solo bango, hein, boye bango. Tu kolane la binoti na suka. Congolais nous a contribué. Pombo kanabise commandenge compéter comme. Tu kolane la bino, on va vous poursuivre partout. On vous met en garde. Tu kozwa bino. Tu kozwa bino, on vous dit tu kozwa bino. Et vous allez payer et vous allez répondre devant la justice congolaise. Vraie justice au Congo. Il y a communauté terre. Il y a biso ba congolais, ba patriotes. Et ça sera sans pitié. Vu tous les morts qui ont causé na côte, na kata Congo. Mon retard ma vivant. Vu le nombre ba congolais ba koufi et bino tant rozabino. Boye ba réponse na mino souke za linini. 5 pa ou na mutu. Bokoli a pa ou. Bokozo a pa ou boye ba ango. Po bobomisi ba Congolais, des milliers de Congolais ba koufine ma gamme bino bo sala. Bosomi bokomi ba riche, bosomi ba jet privé, bosomi ba bateau, bo investir partout dans mora minel ya nenga bouzo ba. Mais sache-le bien, c'est les Congolais qui ont payé na moussalo bo sali. C'est les sang des Congolais qui ont payé. Po yo koma riche no komi, obomisi combien de Congolais na sima. Bo yo ki ba nengou langay. On va se battre. Nous allons se battre dans les Congolais, dans ceux qui ont une vidéo sur les gens et ça la tour du monde dans la communauté de les Congolais. Et ça, les vidéos pour vous dire que Moutoulou la maréchal, on l'a chassé par la force parce qu'il défendait les Aïe. Moutoulou la papa Nouringuana, Moutoulou la Kassavou, Moutoulou la Simo Kimbangu. Batou Nyoso va défendre le Congo, ba Koufi, il faut que vous allez vivant. Tous en relève normalement. Il faut tobounder la Congo. Il faut exalier comme obligation si tu sais que tu es un vrai patriote. Au moins, on a un nyama nyama moroboué. Mais si tu es conscient comme moi, Ernest Fiot Lumu et Banaïtique qui vous parle à travers vidéo, oh yo, Ndeko, na monite et l'on au bang. Na monite l'on au bang à te. Parce que comment on a eu bien noté? Pourquoi au bang? Yébisangai. Na souki la bandeko. Nzamazana binona sukiwana ingeta tozonga.